Hop, fabrication, fabrication. Hop. Voilà, je pourrais vendre ça aussi. Pour l'instant, c'est bon. Ok. Et donc, le deuxième bâton, le voilà. Il est un peu plus long. Le premier, il est un peu plus long que le second, mais le second est plus efficace. On va devoir l'utiliser parce que... Ah oui, j'ai oublié aussi. Parce que le bâton tout seul ne va rien faire. Alors, comment on fait déjà? Oui, c'est ça. Désolé, hein, c'est parce que, franchement, moi et la magie, ça fait deux. Et vous allez le voir assez rapidement. Je pense qu'on n'est pas à la fin de nos surprises. Et puis, je pense qu'on va bien se marrer. Vous allez me voir mourir à répétition. Parce que je vais paniquer et tout le reste. J'ai vraiment pas... autant avec un arc, je m'en tire. Autant avec de la magie, c'est l'horreur, quoi. Puis surtout, c'est tout en esquive et tout en feinte. C'est pas du tout mon style. Alors, ce qu'il me fallait, moi, c'est les sorts mémorisés. T'es gentil. Et donc, je vais en changer un. Hop, voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Alors, ici, est-ce qu'il y a des trucs qui traînent? Ouais, même si j'aime pas, je vais peut-être remettre la capuche quand même. Pour aider à la focalisation. Je trouve que ça lui fait un drôle de visage sans... avec la capuche en fait. Donc alors ici, pour descendre. Comment que je peux faire? Je peux faire par là. Y a quoi en bas? Bon, je suis sûr qu'on veut pas le savoir. Alors, ici, c'est pas là. Si, c'est là. Non, c'est pas là. Alors comment on fait déjà pour descendre là? Va falloir faire le tour. Ah, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué là, Elden Ring. Quand je vais reprendre ma rune avec Gorion, je pense qu'on va rigoler. Voilà, donc 137 rien qu'en début hein, de partie avec du 19 quoi. Zut. J'en ai flingué un pour rien.
J'ai intérêt à me méfier parce que j'ai tendance à... Oh, c'est pas de la magie, c'est du snipe, hein. Bon, on va se débarrasser de lui parce que je sens qu'il va... Il va m'ennuyer. Ah, il est pris dans le rocher. Voilà, ça c'est fait. Pareil dans le choix des fioles, j'ai fait le choix d'investir plus. Je vais le ranger temporairement, histoire de ne pas faire de bêtises. J'ai temporairement investi dans maximum de potions en magie. Alors je sais absolument pas où descendre. Là-bas, il y a une colonne d'air. Ah, puis en plus il y a un site juste à côté. Pour l'instant, on va passer dans cette configuration. C'est bon, si je me plante, je reviens juste à côté. C'était pas là. C'était pas là, c'était plus loin. Autant pour moi. C'est bon, on est dedans. C'est bon. Alors ici, on va affronter un sorcier. J'équipe ça. D'accord, on va le laisser revenir.
Alors, espérons qu'on va pas se planter. Voilà, c'est fait. Alors, cendre de guerre, gravité, c'est une note, comme vous voyez, elle est aussi violette. On va aller la voir ailleurs. Là, je veux vérifier juste un petit truc. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs là dans le secteur? On va pas jouer au kéké. On va peut-être essayer d'éviter de mourir en continu. Déjà que de base, on va déjà bien mourir. Alors voilà, c'est lui qu'on est venu tuer. Je sais plus comment il s'appelle, ces créatures. Mais eux, quand vous les affrontez, bien souvent autour, vous allez trouver un truc. Soit ils vont vous en looter un, soit vous allez trouver un lieu où il y a un coffre ou quoi que ce soit. Et vous trouverez de la magie gravitationnelle. Et je vous rappelle qu'avec mon deuxième bâton, ça fait 30% de plus, quoi. Ça se prend en début de jeu. En début de jeu seulement, puisque après, par la suite, évidemment, on sera amené à ne plus avoir cet avantage. Je me disais bien que j'avais vu quelque chose. Donc là, on a ici. On est juste... ouais, en bas. Non loin... non loin du début, hein. Mais sur ce rive-là. Ok, ruine du littoral. De toute façon, on est sur le littoral. Après, vous avez l'autre péninsule, là vous avez le pont qu'il faut passer avec le scorpion qui vous tire dessus. Là, c'est là où on a été chercher comment on appelle ça, les ruines du dragon calciné. C'est là où on a été chercher le coffre piégé. Donc vous voyez, tout est dans le même secteur. Tout se trouve assez facilement. Bon, expérience sociale. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Dire qu'avec Gorion, j'aurais dû aller au CAC, j'aurais dû m'embêter et tout le reste. Bah là, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ici? Vous inquiétez pas, je l'ai vu, hein. C'est parce que je fais le tour. J'essaye de voir... s'il y a des choses, j'allais oublier ça. Œuf de crabe, reine dorée, ça se prend. Je vais pas utiliser ma magie pour ça. Je vais y aller.
Masse de chair. Ok. Masse de chair. On n'avait pas un par ici de crabe. Vous allez voir que je vais réussir à mourir en tombant dans l'eau. Ok, bon. Allez, c'est parti. On se balade, tranquille. Hop, ici. On récupère, ça fait toujours quelques runes de plus. Ça peut faire quelques niveaux. Bien que dans quelques instants, on n'aura plus trop d'ennuis avec ça. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent par ici. C'est là où il y a un crabe qui se lève d'un coup. Bon, donc on est bienvenu ici récupérer ce qu'on avait récupéré. Comme vous avez vu, hein, c'est parce que je ne sais pas manier encore très bien les choses. Mais easy peasy, hein. Non, ça on va peut-être éviter. Hop. Bon, après je me doute que vous avez pas mon niveau. Je suis pas terrible en magie, moi. Hein, donc... d'ailleurs... Hop, fabrication, on peut encore fabriquer ça. On peut encore fabriquer ça. Voilà, ça c'est fait. Équipement, on est bon. On a tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, on va retourner. Donc là, on a notre équipement de base. Donc ici. Ici. Toujours bon à prendre. On va se remettre là. Il y a un truc que je voudrais vérifier. On peut encore monter un niveau, donc là ce qu'on va faire, on va monter à 20. Hop. Ça se prend. Bien sûr qu'on va le confirmer. Donc on est déjà à 20 en... On n'est qu'en début de partie. Hein. On n'a pas encore farmé. Ensuite, fiole sacrée. Ok. Sort mémorisé, c'est ça que je voulais voir. Donc comme vous voyez, ce qu'on vient de récupérer, ce n'est pas un sort. Il apparaît, sinon il apparaîtrait là. Ce qu'on vient de récupérer, en fait, c'est une cendre. Donc là, comme vous voyez, mon épée, elle scale en D et D en dextérité force. Donc 9 en force et 10 en dextérité. Si je dis pas de bêtises. Elle est équipée avec épée courte de qualité. Elle est équipée avec la cendre détermination. Si maintenant je la passe en avec cette cendre-là, qui est la cendre gravité. Voilà, je la passe en magique. Et en la passant en magique, comme vous voyez, elle scale maintenant en E et E. En force et dextérité, mais elle scale aussi sur l'intelligence avec un comment dire un scale de D, ce qui veut dire que c'est supérieur à eux, donc elle va vraiment prendre. Et quand vous regardez à la base, hop, je l'enlève, je n'en mets aucune, donc elle reste sur la détermination. Avec la détermination et sans ce qu'elle est sur intelligence, elle fait 112 de dégâts. En physique, hein, je parle. Elle fait 112 de dégâts et elle fait 100 critiques. Et elle ne fait aucun
aucun dégât de magie. Par contre, à partir du moment où je passe cette cendre de guerre qui s'appelle gravité dessus, donc hop, on est reparti. Elle fait plus que 72 en physique. Donc on va me dire, bah ouais, mais c'est moins bien que les 112 qu'on avait avant. Oui, peut-être. Mais en magie maintenant, elle rajoute des dégâts. Et notamment, elle rajoute 72 plus 13. Moralité, on est déjà à 144, 157. On est déjà à 157. On passe de 112 à 157, ce qui se prend. Et sachant que par la suite, on va augmenter l'intelligence. Et donc, plus on va augmenter l'intelligence, et plus automatiquement, ça va monter. Sachant que bon, c'est une arme de début de jeu, il est fort à parier que je trouverai quelque chose de plus intéressant que l'épée droite. Je peux la mettre d'ailleurs sur d'autres trucs, hein. Si on essaye celle-là, par exemple. Si on essaye avec le fléau d'armes. Ah d'ailleurs, je sais pas si ça marchera avec le fléau d'armes parce que je crois qu'on peut pas cumuler les effets. Donc, comme elle accumule déjà 50% de saignement, je ne suis pas sûr qu'on peut la passer en dégâts. Donc là, si on regarde bien, le fléau d'armes, j'ai 109. Ah oui, je remplis pas les conditions de base. Donc, j'ai 109 moins 47. Donc, ça fait 160, 100, 157. Non, ça fait 57 en fait. 57 de dégâts. 57 de dégâts parce que j'ai un malus vu que je remplis pas les conditions de base. Si maintenant je passe là-dessus et je la passe en magique, comme vous voyez, elle fait 47, 47 en physique, mais on y ajoute 78 plus 12, donc on est déjà à 100 et quelques. Vous voyez? Et pourtant, j'ai toujours pas les conditions requises. Donc, c'est pas intéressant de l'utiliser. Ou alors, faudrait que j'utilise à deux mains, mais j'ai pas envie. Hop, donc, on l'ôte. On la met sur la petite épée. Et notre petite épée, maintenant, elle fait un petit peu plus de dégâts. Donc, c'est pas fou, mais c'est pas mal quand même.